Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, chaque semaine je vous propose donc un article et une vidéo, que ce soit une vidéo de démonstration ou alors une vidéo dans laquelle je traite de problématiques dans le cadre de la pratique de la peinture acrylique, et plus particulièrement de la peinture abstraite. Je vais rajouter à partir de maintenant une petite vidéo qui sera un format beaucoup plus court, mais qui sera en plus de déjà tout ce que je vous propose. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer en fait de répondre à des questions que je reçois, parce que je reçois beaucoup de questions de votre part, et puis je me suis dit autant en faire profiter tout le monde. Donc généralement, vos questions, je les utilise pour faire des sujets assez complets. Là, je vous propose, à côté de tout ça, de faire une deuxième vidéo pour répondre à des questions un peu plus courtes. Parce que je sais que certains aussi me reprochent que mes vidéos soient un peu trop longues. Bon, bah écoutez. Donc ça permettra de contenter cette partie de personnes qui veulent des vidéos plus courtes. Donc dans cette seconde vidéo que je ferai chaque semaine, qui sera une seconde vidéo, je répondrai à une question que vous m'avez posée ou une question que j'ai pu obtenir, que ce soit sur YouTube ou que ce soit directement sur mon blog, sur les différents réseaux sociaux. Question du jour, comment rattraper un tableau raté? Vous êtes beaucoup à me poser cette question. Et effectivement, je pense qu'on a tous eu ce problème au moins une fois. Moi, ça m'est souvent arrivé. Donc, par exemple, je suis en train de travailler sur un tableau, j'étale ma peinture, j'ai un plan en tête, je sais où je vais aller. Et puis, petit à petit, plus j'avance, plus je me rends compte que ça ne fonctionne pas et je vais un peu trop loin, par exemple. Donc, un peu trop de peinture, j'utilise un peu trop de matériel, j'utilise mal mon matériel et je me retrouve avec quelque chose qui ne va peut-être pas forcément correspondre à mes attentes. Alors, la solution, je vais vous proposer déjà deux choses. Je vais vous parler de deux choses très importantes dans ce genre de situation. Déjà, ce qu'il faut savoir, moi, je vais vous communiquer une astuce que j'utilise depuis des années et que j'ai découvert tout seul, en fait, dans le cadre de mon autre activité, parce que je suis directeur artistique, je fais de l'infographie au sein de mon agence de communication. Je me suis rendu compte qu'en travaillant longtemps sur un projet, sur un visuel, hein, je parle de quelque chose de visuel, sur une infographie, il y a des moments où j'arrivais plus à avancer. Parce que je suis resté trop longtemps sans ma création. Et du coup, voilà, ça crée une frustration, vous ne savez plus trop quoi faire, vous êtes un peu fatigué, etc. Et du coup, bah, vous êtes persuadé que ce que vous faites, ça ne fonctionne plus, vous n'arrivez plus à avancer. Bah, vous laissez votre travail de côté. Je me suis rendu compte à l'époque qu'en laissant mon travail de côté, en revenant dessus quelques heures, voire idéalement 24 heures après, et bah, que mon œil, une fois reposé, une fois la tête sortie du guidon, comme on dit, je me rends compte qu'en fait ma création, bah, finalement, elle avait quelque chose d'intéressant et que ma création n'était pas forcément ratée. C'est juste le fait d'être trop resté sur ma création qui a créé des freins, une sorte de fatigue, et j'arrivais à me persuader que ma création ne valait rien. Bah, en fait, en peinture, je me suis rendu compte que c'est exactement la même chose et je l'utilise systématiquement. C'est-à-dire que quand je travaille longtemps sur un tableau, ou si je commence à avoir l'impression en tout cas que c'est raté, et que je n'ai plus trop d'idées, plutôt que d'essayer tout de suite de récupérer le tableau et d'aller trop loin, je m'arrête. Je m'arrête systématiquement, là je m'arrête, je fais hop, hop, hop. Parce que généralement, vous arrivez, vous êtes dans un état d'esprit qui n'est pas positif, il n'y a rien de constructif, vous allez être stressé, vous allez être angoissé, vous allez être énervé, parce que tout de suite, qu'est-ce qui va venir en tête? C'est, ben voilà, un tableau de raté, du matériel de gâché. Moi, je sais que c'est le sentiment que j'ai souvent. Ça monte, donc j'arrête tout, je me pose, je vais faire autre chose, je me force à aller faire autre chose pour ne pas m'énerver, et puis je vais revenir dessus 24 heures après. Dans l'idéal, 24 heures après, j'insiste. Et vous allez vous rendre compte, je vous parie, que très souvent, en laissant votre tableau, vous étiez persuadé que celui-ci était raté. En revenant 24 heures après dessus, vous allez voir les choses tout à fait différemment. Il est bien possible finalement que le tableau soi-disant raté n'est pas du tout raté. Et là, donc, c'est un bon point de départ parce que ça va clairement vous permettre de reprendre le tableau là où vous l'avez arrêté. Bon, par contre, effectivement, si vous travaillez à l'acrylique, le tableau sera sec, c'est pas forcément en soi un problème. Et bien, vous rattaquez votre tableau, vous continuez. Donc ça, c'est voilà, le gros conseil que j'ai envie de vous donner dans cette vidéo. Deuxième chose, pour ceux qui sont persuadés que le tableau est raté, et puis même si après 24 heures, bah, votre tableau, vous jugez qu'il n'est pas terrible, ne jetez pas votre châssis, ne mettez pas votre châssis de côté.
pouvez très bien le réutiliser. Il n'y a pas de honte à réutiliser un châssis sur lequel vous avez déjà travaillé. Si votre châssis n'est pas trop chargé et qu'il n'y a pas trop de texture, vous pouvez très bien remettre une couche de gesso. Alors, s'il y a un peu de texture, par exemple un peu d'épaisseur, si vous voulez que ce soit parfaitement droit, mettez quand même une bonne couche de gesso. Et après, vous allez pouvoir poncer votre gesso en surface et vous allez repartir sur quelque chose de parfaitement net, parfaitement blanc, parfaitement lisse. Ça vous permet de réutiliser votre châssis. Par contre, voilà, c'est sous réserve que votre châssis ne soit pas trop chargé en peinture, parce que si effectivement la toile en soi est déjà très lourde et que vous rajoutiez une grosse couche de gesso, votre châssis va commencer à peser. Et c'est quelque chose qu'il faut généralement éviter, à moins que vous ayez des châssis spécifiques un peu plus costauds. Donc voilà, les deux conseils que je vous donne dans cette vidéo qui était soi-disant censée courte. Et d'un, prenez du recul sur votre œuvre systématiquement. Si vous avez un petit frein, si vous commencez à vous poser des questions, lâchez tout, allez faire autre chose, au moins quelques heures. Idéalement 24 heures, revenez sur votre toile, votre œil aura clairement changé, votre avis sera différent et vous pourrez, je suis quasiment sûr de ça, avancer sur votre toile et continuer votre tableau. Et la deuxième chose, si vraiment vous souhaitez repartir de zéro, mettez une couche de gesso. Pourquoi le gesso? Parce que c'est fait pour ça, c'est une couche d'après, ça vous permet de préparer votre toile. Et puis c'est un peu moins onéreux que la peinture blanche, que la peinture acrylique par exemple. Et c'est fait pour ça. Vous recouvrez, vous poncez si vous souhaitez un résultat parfaitement net, et c'est reparti pour un nouveau tableau. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Je vous propose de télécharger mon guide qui est gratuit, qui fait 20 pages, sur le matériel à avoir pour se lancer dans la peinture abstraite. C'est dans ce document, en fait, je vous présente le matériel que moi j'utilise pour utiliser la peinture acrylique dans le cadre de ma pratique de la peinture abstraite. Voilà, alors il vous suffit de suivre le lien que je vous mets ici et vous pourrez télécharger le fameux guide. Voilà, en tout cas, moi je vous dis du coup à très bientôt pour une nouvelle vidéo.